Scapin, personnage mythique de Molière. Oh, enfin. Bon, excusez-moi, c'était imprévu. Par mon théâtre, par mon Cyrano de Bergerac, bien sûr. Et non, les favoris de Scapin. Cyrano de Bergerac, cousin de Madeleine Robin, sur une de cette œuvre magistrale. Alors, racontez-nous un peu cette pièce. Non. Oh, elle est bien trop connue, vous devriez déjà la connaître tout de même. Ah oui, si connue que la Comédie Française a décidé de la jouer. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un quatrième et d'aller incognito avec sa classe au cinéma pour visionner cette réadaptation. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes impressions sur cette réadaptation de Denis Podalydès. L'imagination qu'il faut avoir pour suspendre au plafond des sortes de câbles avec des poutres pour y déposer des plats tous aussi somptueux les uns que les autres est très recherchée et impressionnante. De plus, les tons sont plutôt chauds et cuivrés, ce qui fait ressortir cette atmosphère de tension et cette ambiance plutôt agitée et animée. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la manière dont la scène du balcon a été jouée avec Christian et Roxane. Tout d'abord, je trouve que les acteurs interprètent avec brio les répliques. J'ai également trouvé l'idée d'avoir suspendu Roxane au plafond très originale. Dans cette scène, Madeleine peut sembler être une déesse en robe blanche qui symbolise la pureté, sa pureté intérieure finalement. Enfin, comme dernière scène à commenter, j'aimerais vous parler de la scène de ma mort. Ma propre mort, vous rendez-vous compte? Cette scène est pour moi la plus importante. Donc il ne faut omettre aucun détail. Mais pour le coup, j'ai trouvé cette scène plutôt ennuyeuse, bien trop longue. Le début est plutôt réussi, je trouve. L'idée des bonnes sœurs assises sur des sortes de poutres rend ce début de scène très animé et original. Mais vers la fin, je me suis très vite lassée. Je trouve pour le coup que les acteurs ont un petit peu trop développé ma mort. Allez-y, à votre tour, je vous en prie. C'est un jouet, mais... C'est ainsi que je joue et que je gagne. Un vrai jeu d'enfant. Tricheur. Non, je ne suis pas un tricheur. Malfrat. Non. Allez. Ah, Cyrano, arrête là. Où est ma poule? Où est ma poule? Je sais que tu l'as volée. Au secours. Bon, je suis en très mauvais terme. Je pense que, pour finir, j'aimerais dire que j'ai beaucoup apprécié cette réinterprétation. Michel Villarroz a su mettre en valeur mon charisme, ma facilité à m'exprimer de manière idéale et ma diction parfaite. Moi qui suis un personnage de très grande valeur, Denis Podalydès a su le montrer. Et moi qui suis plutôt difficile en matière de cinéma, mon égo a été flatté.